sur ta partie. C'est parti. D'abord, je suis très honoré d'être à La Ciotat en tant que président du jury d'un festival d'immersion du cinéma, parce que ce sont tous des premières œuvres. Donc je suis très flatté, parce que j'adore le symbole de ce cinéma-là, son histoire. Les Frères Lumière, le premier cinéma, le plus vieux cinéma du monde. Et donc c'est à ce moment-là à passer dans l'histoire des périodes extrêmement dures, parce qu'il a failli être abandonné, parce qu'il a été vieillissant, il a été pourri, il a été poussiéreux, il a été à l'abandon complet. Et puis à chaque fois, il y a quelqu'un au dernier moment qui va sortir la tête de l'eau et qui va dire non, on ne l'abandonne pas. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et donc, moi, j'aime l'histoire. On est défini par l'histoire. Ce qui est arrivé dans nos pays et à nos parents et à nos grands-parents. L'histoire, pour moi, c'est quelque chose qui est précieux. À part dans la région, de venir faire du vélo. Il y a beaucoup de vélo dans la région. Ça reste la route des crêtes. Et je suis très attaché à la région depuis très longtemps, maintenant, depuis des années. Là, c'est un, comme on dit dans le nouveau sport, c'est un spot formidable pour préparer le Ventoux. Parce qu'après, le but, c'est se chauffer ici, s'entraîner ici. Parce qu'il y a des bons petits cols ici quand même, avec des bons pourcentages. Et après, d'aller faire le Ventoux en fin de saison. J'ai pas eu le temps de prendre le soleil, je suis désolé. Il y avait 6 heures de projection par jour et je suis tout pâle.